C'est vrai, lui, il aime pas les peines cul, effectivement. Venez boire un godet. Aux guerriers de légende qui ont tué un dragon sire. Yeah! Pas mal, hein? Ça vous rince les tripes? Non, oh, ce petit gazouillis juste avant qu'il crache du feu. Et ce rugissement, qu'est-ce que je donnerais pas pour rugir comme ça? Le tremblement de terre quand il a atterri, l'odeur des flammes. Tar Sidatan Al-Saham. Vous savez que les Kunari vénèrent les dragons. Enfin, vénérer. C'est un grand mot pour les Kunari. Tu vénères pas le Kun? Allez, santé. Ah, tiens, Étienne. Je vais finir bourré, moi, dans cette histoire, ça va mal finir. Ouais, le deuxième verre passe mieux. C'est parce que les terminaisons nerveuses de votre gorge sont mortes après le premier. Ah, j'adore l'explication. Atachi, les glorieux, c'est comme ça qu'on les appelle. Atachi. Vous savez pourquoi les Kunari pensent ça des dragons? Eh ben, vous savez, avec nos cornes, on ressemble plus à des dragons que la plupart des gens. C'est peut-être ça. Mais certains Ben Astrat ont une vieille théorie farfelue. Vous voyez, les Tamastrans contrôlent avec qui on se reproduit. Ils nous élèvent comme on fait l'élevage de chiens ou de chevaux. Et s'ils avaient ajouté un dragon au mélange, il y a longtemps, peut-être par la magie ou peut-être en buvant leur sang, je sais pas. Mais il y a un truc dans ce dragon qu'on a tué qui m'a parlé. J'aurais préféré ne pas tuer ce dragon. Pas moi. C'était un sacré combat. Les dragons sont l'incarnation de la puissance brute. Mais une puissance incontrôlée, sauvage. C'est pour ça qu'il faut les détruire. Dompter la nature. Mater le chaos. Prenez un autre verre. Allez! Joli. Au dragon. La drogue, c'est mal, vous voyez. Non, pas de romance avec avec Iron Bull. Les créatures les plus redoutables de ce monde qui ne nous arrive pas à la cheville. Anan. Vous avez vu les yeux blancs qu'il avait, l'inquisiteur? Ok, bon, je pense que pour Boule, on est bon. Vous faites du bon boulot, chef. Quand vous serez libre, venez donc prendre un verre. Je vous présenterai à la charge. Vous avez dit qu'on devrait aller boire un verre avec vos troupes. Ouais, allez, on va bien se marrer. Eh ben, on n'a pas fini. Allons-y. Ah, merveilleux. On va pas boire seul. Comment ça va, crème de la crème? Votre grâce, je suis heureux qu'il puisse faire cette blague à quelqu'un d'autre. Vous préférez crème ou crémicius? Crème, c'est plus rapide. En général, les surnoms du patron vous collent à la peau. Hey, quand j'étais petit, mon nom c'était juste une série de chiffres. Sous le Kun, on se donne tous des surnoms. Et ils portent des chemises sous le Kun, patron? Ou ils se baladent tous avec des bandes de tissu sur les seins? Ça s'appelle un harnais. Ça c'est oui. Fait. C'est pour que tes seins d'homme soient plus pigeonnants. Dis-moi si t'as besoin d'aide pour serrer. Tu pourrais vraiment faire ressortir ton côté armoire à glace. Qui sont les autres? Pas mal de membres de la charge sont allés chercher de l'alcool fort. Voyons qui il reste. Là c'est Rocky et l'écorcheuse. Et là-bas il y a Suture, Talassienne. Et Mossad. Ils sont tous plus tarés les uns que les autres. Mais ce sont mes tarés. J'aime bien les surnoms. C'est une bonne troupe que vous avez là, Boule. Nah, on se débrouille.
Ils ont quand même dû s'éclater quand ils ont fait les doublages, les gars. Yeah! Ah, ils ont dû s'éclater quand ils ont fait les doublages. Que faites-vous? L'armure cliquetante me casse les oreilles. Mal au dos, mes doigts endoloris n'arrivent plus à rien. Le vent frais comme la mare de tante Héloïse, une boisson chaude, les fleurs de la chaleur, le premier baiser dans la grange. Comment il s'appelait? Le sang coule et le métal cliquette. Le corps de pierre dans le chariot pour la chanterie. Encore 5 petites minutes. C'est ma faute. Vous pouvez écouter les pensées de tout le monde comme ça? Non, il faut qu'ils aient besoin de moi. La douleur, la peur, la tristesse, la culpabilité, la colère. Quelque chose que je peux soigner. Vous pouvez faire quelque chose pour elle? Oui. Je sais pas encore, Fallon. Je verrai. Je sais pas encore. Vous n'avez rien fait de grave. Vous êtes qui, vous? Il s'allonge là, et parfois il meurt, comme Pierre. Vous ne pouvez pas les sauver. Mais je ne sais pas qui vous êtes. Attendez, ça n'a pas marché. Je veux réessayer. Vous m'oublierez dans une minute. Vous ne pouvez pas tous les sauver. Quoi? Comme Pierre qui est tombé malade après votre escapade à la mare de tante Héloïse. Vous voulez que ce soit votre faute pour qu'il y ait une raison à tout ça et que ce soit moins effrayant. Mais il n'y a pas de raison. Pierre est tombé malade. Le soldat ne pouvait pas survivre. Ce n'était pas votre faute. Ne s'en veut plus? Pas autant. Ça la remuait de l'intérieur, comme une boule de culpabilité qui rebondissait en elle. Maintenant, c'est ouvert. Elle peut s'en débarrasser. Bien joué. Merci de m'avoir laissé l'aider. Ce n'est pas comme ça que les gens feraient ça. Non, c'est sûr. Mais je l'ai aidé. C'est ce qui compte. Envoyez des éclaireurs dans la zone. Nous devons savoir ce qui se trame là-bas. À vos ordres. Commandant, des quartiers temporaires ont été assignés à nos hommes. Parfait. Je voudrais aussi un état des lieux de l'armurerie. Maintenant. Nos forces étaient bien déployées à Dars, mais pas pour combattre un archidémon ou je ne sais quoi. Si nous avions pu prévoir ça, peut-être que... Ces événements nous ont tous affectés. Si Corypheus frappe à nouveau, nous ne pourrons pas battre en retraite. Et de toute façon, c'est hors de question. Nous devons nous tenir prêts. Les travaux à Fort Céleste se poursuivent, des rondes ont été mises en place. Tout devrait être opérationnel dans le courant de la semaine. Nous ne prendrons pas la fuite, Inquisiteur. Parfait. Nous avons perdu combien d'hommes? La plupart de nos forces sont retranchées à Fort Céleste. Ça aurait pu être pire. Le moral de nos troupes était au plus bas. Mais ça va beaucoup mieux depuis que vous avez pris la tête de l'Inquisition. Inquisiteur Trevelyan, ça sonne bizarre, vous trouvez pas? Pas du tout. Il s'agit de la réponse officielle? Oui, sans doute. N'empêche que c'est vrai. Nous avions besoin de quelqu'un pour nous diriger. Et vous avez fait vos preuves.
Vous avez réagi rapidement lors de l'assaut sur Dars. Sans ça, il y aurait eu encore plus de victimes. J'apprécie tout ce que vous faites pour nous aider. Merci, Inquisiteur. Je ferai tout mon possible pour assurer la sécurité de nos hommes. Vous avez ma parole. Bien. Autre chose ? Avez-vous besoin de mes services ? J'aimerais apprendre à vous connaître. Nous travaillons ensemble, après tout. Qu'est-ce que vous voudriez savoir ? Eh bien, d'où est-ce que vous venez ? J'ai grandi à Ferelden, près de Cordoan. On m'a transféré à Kirkwall, peu de temps après l'Enclin. C'était la première fois en presque 10 ans que je revoyais Dars. Bonne nuit, Fallen. Merci d'être passé. Varric vient de Kirkwall. Vous vous connaissiez tous les deux ? Je sais qu'il était ami avec le héros de Kirkwall. Mais à part ça, pas grand-chose. On a échangé quelques mots depuis que j'ai rejoint l'Inquisition. C'est Varric qui a beaucoup insisté. À ce qu'il paraît, j'ai trop souvent l'air sérieux. Et je risque d'y laisser ma santé. Je vois bien Varric dire ça. Vous n'avez pas mis le pied à Ferelden pendant 10 ans. Ça ne vous a pas fait bizarre de revenir ? Bizarre ? Non. Ce serait même le contraire. À l'époque, je n'étais pas triste de quitter Ferelden. Je n'avais pas l'intention de rentrer. Mais quitter Dars a été plus difficile que ce que j'imaginais. Et pas seulement parce que Corypheus nous y a obligés. J'ai eu l'impression d'abandonner ma maison. Je n'aurais jamais cru retrouver ce sentiment un jour. Bon, ok. Allez, ça ira pour le moment. Bonjour. Vous recevez un titre. Je me fais virer. Je vois comment ça marche. Enfin... Merci pour tout, à votre service. Nani ? Bon. Ok. Voyons. On va aller parler. On va aller parler au Gugus là-bas. À Blackwall. Après, je crois qu'on a une personne à juger aussi. On avait capturé un Venatori, si je me souviens bien. C'était une erreur d'établir notre base d'opération à Dars. La ville était indéfendable. Certes. C'était un emplacement mal choisi. Nous aurions dû en changer plus tôt. Vous vous êtes mis vous-même en situation de vulnérabilité. C'était une mauvaise décision. Mais c'est une erreur que vous ne répéterez pas. Mais l'ennemi vous a porté un coup rude, à vous et à l'Inquisition. Il faut bien le reconnaître. Vous devez le reconnaître. Ouais, j'ai envie de te dire, occupez-vous de vos affaires. Vous vous trompez. Nous avons maintenant un meilleur emplacement et plus de gens à notre service. Si je l'avais prévu, je n'aurais pas fait mieux. Mais nous ne pouvons pas compter sur la bonne fortune pour nous accorder la victoire. Cette défaite s'est peut-être transformée en avantage, mais cela ne durera pas. Bon, elle n'a pas tout à fait tort non plus, hein. Ne restons pas les bras croisés. Agissons les premiers et apprenons-lui à nous craindre. Vous pouvez devenir le chef que veulent les fidèles, mais il faut agir vite. Oui, madame. Blackwall. Nous y voilà, Force Céleste. Venez, on va faire un tour sur les remparts. Je veux examiner nos fortifications. On va pouvoir voir venir Corypheus à 10 kilomètres. J'étais au Wakanda. Pourquoi j'ai pensé exactement à ça ? Ah, c'est trop drôle ! Vivienne ne t'aime pas. Ah, mais moi non plus, je l'aime pas, Vivienne. J'ai rien, et j'ai tout fait pour qu'elle m'aime pas, en fait. Mais, ah, c'est trop drôle ! J'ai pensé exactement la même chose. On est au Wakanda. D'un autre côté, ça veut dire qu'il peut nous voir à 10 kilomètres. Laissez-le venir. Je vous jure que j'abattrai ce tordu. Même si je dois y rester. C'est pas du tout le même discours, c'était bien. Ouais, ouais, mais en même temps, c'est pas grave, moi je l'aime pas. Soutien. C'est mon rôle, non ? De tuer les engeances. Et malgré tout, l'espoir est là. Les gens affluent vers votre bannière. Ils croient en vous. L'histoire de Blackwall, elle est intéressante, n'empêche. Soyez sincère. Vous êtes vraiment ce qu'on dit. L'élu d'Andraste. Je ne sais pas. Je pense que c'est le plus sincère. Je n'ai que peu de souvenirs de tout ça. Et s'ils avaient raison ? Quelle importance ? Vous ne voyez pas ce que vous représentez pour eux ?
Vous êtes leur seul espoir. Notre seul espoir. Ils ont besoin de voir en vous le messager d'Andraste. C'est ce qui les fait avancer. La vérité n'a pas d'importance. Ah, je devrais me taire. Votre temps est précieux et je vous en ai fait assez perdre comme ça. Alors par contre, tu n'étais pas obligé de me laisser sur les remparts. Magnifique. Comment un endroit pareil a pu être abandonné? Bah écoute, on va pas s'en plaindre, hein. On ne le gâtera pas. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Serra, c'est bon. Ah, Cassandra. Je l'avais oublié. Cassandra. Bien sûr que je le savais. Espèce de petit faux cul. Vous m'avez enlevé. Vous m'avez interrogé. Qu'est-ce que vous espériez? Allez, allez, on se calme. Hé, hey, ça suffit. Vous prenez son parti? J'ai dit ça suffit. On avait besoin de quelqu'un pour mener l'Inquisition. Leliana et moi, on a cherché le héros de Ferelden, mais il avait disparu. Alors on s'est rabattu sur Hawk, qui était lui aussi introuvable. Ça aurait été tellement classe qu'elles aient retrouvé le héros de Ferelden, qui est le personnage qu'on incarne dans Dragon Age Origins. Hawk aurait été au conclave, si quelqu'un avait pu sauver sa sainteté. Varric n'est pas responsable de ce qui s'est passé au conclave. J'ai fait ça par amitié. Varric est un menteur, inquisiteur, un serpent. Même après le conclave, quand on avait le plus besoin de Hawk, Varric n'a rien dit. Il est avec nous maintenant. On est du même côté. On sait tous de quel côté vous êtes, Varric. Et ce ne sera jamais celui de l'Inquisition. Mm-hmm. Varric a gagné le droit d'être là, Cassandra. Merci. Désolé si elle désapprouve, mais voilà. Hein, quand même, là, elle il exagère faut un peu. Je pense à ce qui aurait pu se passer. L'enjeu est trop grand. Allez-vous-en, Varric. Allez. Vous savez ce que je crois? Si Hawk avait été dans le temple, il serait mort lui aussi. Vous lui en avez fait assez baver. Je l'ai cru. Il s'est fichu de moi et j'ai tout avalé. Si seulement je lui avais expliqué les enjeux, si je lui avais fait comprendre. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je ne lui ai pas dit pourquoi on avait besoin de Hawk. Quel imbécile. Oh, on va la faire rire, allez. Je vous aime toujours, moi. Je suis sérieuse. Et pas moi, peut-être? Je veux que vous sachiez que je n'ai aucun regret. Si on avait trouvé Hawk ou le héros de Ferelden, le créateur n'aurait peut-être pas eu besoin de vous envoyer. Mais vous êtes là. Vous n'êtes pas ce que j'avais imaginé. Mais je sais maintenant que ça ne veut rien dire. Je me demande d'ailleurs ce qu'il est devenu, le héros de Ferelden, pour le coup. Salut Evan, bienvenue. On a eu chaud. Ça va ? Eh ben, ça dépend. Cassandra est furieuse. Furieuse ? Je ne cherchais pas à vous cacher des choses. J'ai dit à l'Inquisition tout ce qui me paraissait important à ce moment-là. Vous auriez pu nous parler de Corypheus plus tôt. J'ai découvert son implication en même temps que vous. Jusqu'à ce qu'il débarque à Dars, je le pensais mort. Au sommet, je n'ai rien vu qui pouvait me faire croire le contraire. Je sais que j'ai des progrès à faire. Je suis désolé. Oh, je t'en veux pas, Varric. Corypheus est de retour. Et merde. Vous avez dit que c'était une engeance ou un magistère. Qu'est-ce qu'il est, au juste? Je suis pas sûr. Je crois qu'il le sait pas lui-même. C'est une engeance, ça, ça fait aucun doute. Mais quand on l'a trouvé, il avait pas l'air au courant. Il croit être un magistère, un prêtre de Dumat, pour être exact.
Et il dit s'être introduit dans la Cité d'Or, comme dans la légende de la Chanterie. Si Hawk et vous l'avez déjà vaincu, on peut le refaire. On l'a pas imaginé, la mort de Corypheus. Il était bien mort. Pas de pouls, pas de respiration, criblé de blessures. Il y avait vraiment pas de place pour le doute. Je me demande... Je croyais que les gardes avaient emprisonné Corypheus pour l'utiliser. Mais peut-être que c'était parce qu'il est immortel. Mais comment Hawk et vous avez atterri dans une prison pour engeance de la garde des ombres? Corypheus a envoyé des hommes après Hawk. Il a pris le contrôle de tout un clan du Carta. Il leur a fait boire du sang d'engeance. Si c'est pas tordu, ça. On est remonté jusqu'à une sorte de vieux fort construit par les nains dans les montagnes. Et bien sûr, c'était un piège. Ils avaient besoin du sang de Hawk pour libérer Corypheus. C'est pour ça qu'ils nous ont attirés dans la prison. En parlant avec Liliana, mais je crois qu'il faut qu'ils étaient en romance avec Origin. Bon, ben ça, c'est parfait, parce que c'est la romance que j'ai faite dans Origin, donc ça, c'est bon. Mode multijoueur de FF15, nouveau DLC de FF15. J'ai fait aucun DLC de FF15, j'ai lâché FF15 depuis longtemps, Evan. Il y a bien un moyen de vaincre Corypheus. On le trouvera, ne vous en faites pas. J'espère que vous avez raison. Nom du Créateur, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'avez rien à voir avec tout ça, Varric. C'est moi qui ai conduit Hawk à Corypheus. Si j'avais pas suivi le Carta jusqu'à cette ruine. Mais vous avez plus important à faire que d'écouter mes états d'âme. Tenez-moi au courant quand vous aurez besoin de mes services. Ok. Autre chose. Allez. Je vous dérange? Je peux revenir plus tard. Non, c'est pas grave. Ces factures sont pas franchement captivantes. Je voulais venir vous voir de toute façon. J'ai jamais rejoint officiellement l'Inquisition. Je sais pas vraiment comment être un bon disciple. Je suis un homme d'affaires. J'ai jamais vraiment suivi un élu. Je n'ai pas besoin de disciple. J'ai besoin d'un ami. Si vous saviez à quel point vous pouvez être intimidant... Vous me comprendriez. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous représentez pour les gens. Le messager d'Andraste est un symbole qui nous dépasse tous. Et qu'est-ce que je représente pour eux, au juste? Le ciel se déchire, les démons nous envahissent. Pour le commun des mortels, c'est la fin du monde. Leur seul espoir, c'est vous. Vous êtes le signe que leurs prières ont peut-être été entendues, qu'ils ne sont pas tout seuls. Vous avez entendu la foule chanter après l'attaque de Dars? Ouais, c'était bien sympa d'ailleurs. Quoi que Tedas pense de moi, je suis comme tout le monde. Je n'ai pas changé. Ah, comme tout le monde, hein. Quelqu'un de normal, ouais. Je devrais peut-être me remettre au boulot, à moins que... Ça vous dirait une petite partie de grâce perfide? De quoi? À moins que... Ah oui, bah c'est là, tour de guet principal, c'est là, voilà. Sélectionner, fabriquer l'objet. J'espère que ça aidera. Et alors, comment... Votre grâce. Tout va bien? Notre capacité augmente. C'était... grisant. Je voulais... Mais j'ai amélioré la tour ou pas? Alors, Templier ou Mage? Ruse et influence, force et préparation. Une amélioration esthétique qui met l'accent sur la vigilance. La tour devient un baston des Templiers capable de rivaliser avec ceux du sud de Tedas. Une amélioration esthétique qui montre le dévouement de l'Inquisition pour les études de magie approfondie. La tour des Mages de Force Céleste fera pâlir tous les cercles de jalousie. Bah écoute les mages, on me dit quoi? Quitte le fort et reviens pour que Colin aille dans son bureau. Ok, d'accord. Allez, choix définitif, mais j'ai soutenu les mages pendant 2 jeux Dragon Age, je continue. Et donc, il parle de quelle tour là? Celle-là? Une tour des mages digne de ce nom. Tout château en a besoin. Ouais, bon, le cercle était plus joli, hein, mais bon. Bon, bah ok, j'ai une tour des mages, très bien.
Très bien, très bien. Alors attendez, quitter le. Ah bah oui, parce que j'avais déjà. J'allais dire si je fais un déplacement rapide, ça suffit pas, mais non, parce que je l'avais déjà fait et ça avait rien changé. Inquisiteur, j'ai trouvé d'où viennent les Templiers Rouges, le refuge de Tirinfal. Ils ont administré du lyrium rouge aux chevaliers jusqu'à ce qu'ils se changent en monstres. Sanson a alors pris la tête des opérations. Comment vous connaissez Sanson ? Il était Templier à Kirkwall, jusqu'à ce qu'il soit exclu de l'ordre. Je savais qu'il se droguait, mais ça... Le lyrium rouge n'a rien à voir avec le lyrium distribué par la chanterie. Son pouvoir s'accompagne d'une terrible folie. La nuée de Templiers Rouges à Dars l'a bien montré. Nous ne pouvons pas les laisser gagner en puissance. Les Templiers Rouges ont toujours besoin de lyrium. Si nous trouvons leur source, nous pourrons les affaiblir et leur chef avec eux. Oui, j'aime autant trouver les faiblesses de mes adversaires avant de les affronter. Nous allons devoir redoubler d'efforts pour faire le poids contre cette chose qui coule dans leurs veines. Des caravanes de lyrium rouge passent en contrebande sur les routes commerciales. Elle pourrait nous mener à la mine d'où il est extrait. Si vous les abordez, faites attention. Tout ce qui touche à Sanson sera bien gardé. C'est noté. C'est noté, c'est noté. Ok, alors là on doit parler à plein de gens maintenant. Solas. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Re, Evan. Il a pas l'air d'aimer le thé. Est-ce qu'il ne va pas avec votre thé ? C'est du thé. Je déteste ça. Ah, pourquoi tu en prends ? J'ai besoin d'évacuer les rêves de mon esprit. Et j'aurais aussi besoin d'une faveur. Vous n'avez qu'à demander. Une de mes vieilles connaissances a été capturée par des mages et réduite en esclavage. J'ai entendu ses appels à l'aide pendant mon sommeil. Je veux bien vous aider. Comment ces mages l'ont-ils capturée ? Grâce à la magie du sang ? Avec un cercle d'invocation, j'imagine. Pardon ? Mon ami est un esprit de sagesse. Contrairement aux esprits qui veulent entrer dans notre monde par les failles, elle était très bien dans l'immatériel. Elle a été invoquée contre sa volonté. Et m'a appelé à l'aide pour retrouver sa liberté et regagner l'immatériel. Ouais, bah ça me va. Bien. Allons aider votre ami. Merci. J'ai perçu le lieu où se trouvait mon ami avant de me réveiller. Je vais l'inscrire sur la carte. Voilà. Une petite quête à faire. Mon ami. Nous parlerons. Au revoir. Ok. Alors, maintenant, il faut monter un petit peu dans la tour. On va parler à Leliana. On va parler à Dorian. Alors, je sais plus où elle est, cette quête. Mais on la fera quand on trouvera. Hein. Des nouvelles intéressantes ? Une lettre à propos de Félix, le fils d'Alexius. Il s'est rendu au Magisterium et il a parlé de vous devant tout le Sénat. Un témoignage vibrant si j'en crois ces lignes. Aucun commentaire sur les réactions, mais les gens... Ouais, Cole le connaît peut-être, effectivement. Félix était quelqu'un de sérieux. Était ? Il est mort. L'enclin a fini par l'emporter. Vous allez bien ? Il était malade. Ses jours étaient comptés de toute manière. Vous pouvez déplorer sa perte, ce n'est pas incompatible. Je sais. Félix me faisait passer en douce des gourmandises depuis les cuisines, quand je travaillais à l'étude de son père. Je lui disais, ne t'attire pas trop d'ennuis pour moi. Et lui, il répondait, j'aime bien les ennuis. Devinter aurait bien besoin de mages comme lui, qui font passer les intérêts des autres avant les leurs. Est-ce que vous deux, vous étiez... Félix et moi ? C'est une drôle de question. Non, je n'avais aucunement l'intention de trahir l'hospitalité d'Alexius en séduisant son fils. Je n'ai pas une vie irréprochable, loin de là. Mais il n'y avait rien entre nous. Même malade, Félix était le meilleur d'entre nous. Quand il était là, on pouvait être sûr que tout se passerait bien.
À vous entendre, c'était quelqu'un de mieux que vous. C'est complètement idiot. Pour être mieux que moi, il faut se lever tôt. Bon, clairement, il valait mieux que moi. Même s'il n'était pas aussi charmant. Heureusement, Félix n'était pas le seul type bien de Tedas. Je suis tombé sur Fiona. Ce n'est que justice, après ce qu'il leur a fait. Il le... Ok. Alors, Fiona, tu as des choses à dire ? J'ai entendu parler de votre jugement concernant Alexius, Inquisiteur. La servitude est une sentence plus clémente que je ne l'aurais souhaité. Mais je saurais m'en satisfaire. Cela dit, il aurait peut-être préféré un autre châtiment. Mes compagnons ne manquent pas d'imagination quant à ce qu'ils pourraient exiger de lui. Comment se portent les mages ? Il y a eu quelques frictions avec vos Templiers, mais la situation générale est satisfaisante. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a là encore ? Bon, il y a un truc à faire. Mère Gisèle. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, Mère Gisèle ? Monseigneur Inquisiteur, je vous remercie de m'accorder de votre temps. J'ai des nouvelles concernant l'un de vos compagnons, le Tevintin. Ah, Dorian a fait quelque chose de mal ? Non, fort heureusement. Ce n'est pas du tout cela. J'ai été en contact avec sa famille, la maison Pavus, aux environs de Carinus. Vous la connaissez ? Je n'ai jamais parlé à Dorian de son passé. Les Pavus m'ont envoyé une lettre. Ils s'inquiètent que leur fils coupe les ponts avec eux, et ils réclament notre aide. Ils nous demandent d'organiser une rencontre. En catimini, sans le prévenir. Sinon, ils craignent que Dorian refuse de se déplacer. Comme vous êtes en bon terme avec le jeune homme, je me disais... J'ai pas spécialement envie de le piéger, très sincèrement. Donc, je vais y réfléchir. Je vais voir ce que je peux faire. Le Créateur vous bénisse. La famille enverra un domestique à la rencontre du jeune homme à la taverne de Golfalois. S'il ne veut vraiment pas assister à cette réunion... Cela lui laisse une chance de faire machine arrière. Je vais prier pour votre réussite. Bon, ok. On verra ça plus tard. Alors, on ira voir Joséphine. Après, d'abord, j'ai un jugement à rendre. Je vous présente Service du Cercle des Mages de Minrati. Vous l'avez rencontré avec ses Venatori à la porte du Ponant. Tout à fait. Il admet avoir œuvré pour Corypheus, levé une armée de monstres et employé la magie à des fins de conquête. Il s'est également servi de ses relations pour faire sortir clandestinement des artefacts magiques du territoire, à l'insu de son maître. Vous avez cambriolé Corypheus ? Je ne sais pas si vous êtes téméraire ou tout simplement stupide. C'est un autre qui m'a embauché. Je n'ai aucune allégeance envers lui. Je pourrais vous être utile, votre grâce. Ouais, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui paye plus cher. Excusez-moi, auriez-vous le toupet de marchander avec nous ? Marchander ? Non, j'implore. Je m'en remets à votre miséricorde. J'ai aussi des amis à Tevinter qui me doivent de grandes sommes. Fermez les yeux sur ce qu'il s'est passé à la porte du Ponant, Inquisiteur, et je peux tout mettre à votre disposition. Non, merci. Rendez-le à Corypheus, un informateur à l'essai, qu'on le jette en prison. Alors, bon, j'imagine que si on fait ça, ça va sûrement débloquer des trucs, mais en termes de moralité, c'est quand même discutable. Le rendre à Corypheus, c'est autant dire le condamner à mort, mais c'est le choix aussi le plus stupide à faire, puisque pour l'instant, ils savent pas qu'on est en vie, et ils savent surtout pas où on est. Donc là, c'est carrément dire, vas-y, renvoyez-le chez lui, il va révéler notre position. On le jette en prison et on l'oublie, ou un informateur à l'essai, non. Pour moi, on le jette en prison et on l'oublie. Je pense que c'est tout ce qu'il mérite. Des gens sont morts à cause de vous. Vous laisser en liberté serait une insulte à leur mémoire. Ouais, voilà. Jetez-le en prison. Nous l'interrogerons plus tard, si besoin. En prison ? Pour combien de temps ? Inquisiteur ! Voilà. Alors, il nous reste une personne à qui parler. Et après, il y a 2-3 trucs à aller faire au Conseil de guerre. Inquisiteur,
J'aimerais vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois d'abord vous donner quelques détails sur la fortune des Montillier. Vous m'aviez dit que votre famille s'était vue interdire de commercer à Orlaïs. Nos finances ont été dévastées. Les Montillier sont maintenant endettés depuis plus d'un siècle. Je ne savais pas que la situation de votre famille était si précaire. Peu de gens le savent, à part la famille. Depuis des générations, nous faisons tout pour nous éviter les créanciers. Nous avons même vendu nos terres. Mais c'est tellement rageant de voir ma famille réduite à ça. Je suis l'héritière. Si je vends d'autres terres, ma famille se retrouvera sans ressources. Je ne peux pas leur laisser un tel héritage. Les gens pauvres s'inquiètent de leur prochain repas. Vous avez des problèmes de riches. Je ne suis pas aveugle, mais je m'inquiète pour ma famille. Ma sœur Yvette est une rêveuse. Mes frères tentent de rebâtir notre flotte de leurs propres mains. Est-ce mal de leur souhaiter qu'ils ne connaissent jamais la misère? Non, c'est pas mal. Je peux faire quelque chose? J'avais presque résolu nos problèmes. J'avais négocié la possibilité pour les Montillier de revenir commercer à Orlaïs. Nous aurions pu tout rebâtir à partir de là. Mais lorsque j'ai envoyé les documents à Val-Royaux, j'ai appris que mes messagers avaient été assassinés et que les documents de notre réhabilitation avaient été détruits. Vous avez une idée du commanditaire ? Léliana a mené l'enquête et obtenu quelques réponses. Le comte Boisvert, un noble de Val-Royaux, affirme connaître l'identité des assassins de mes messagers. Et il aimerait que vous veniez avec moi pour être publiquement vu en train de s'entretenir avec vous. Qu'est-ce que ça apportera au comte d'être vu avec moi ? Le comte mentionnera dans les réceptions qu'il doit rencontrer quelqu'un d'important. Ses alliés et ses rivaux en prendront bonne note. Après votre entrevue, il y aura des spéculations. Le comte orientera subtilement les rapports à son avantage. Il veut se servir de nous, mais s'il connaît l'identité des assassins, qu'importe ses intentions. Bah écoute, j'accepte. Si c'est ce qu'il faut pour résoudre cette histoire, je vous accompagnerai pour rencontrer le comte. Merci, inquisiteur. Vous êtes d'une grande bonté. Je veux savoir qui a tué mes messagers juste pour nuire à ma famille. Bon, on verra ça quand on ira à Val-Royaux. Le prochain live sera plein de nouvelles choses. Ah bah là, pour le coup, on a lancé pas mal de quêtes, là, hein, mine de rien. Alors, attendez, on va convoquer le conseil de guerre, parce qu'il y a des trucs à... Il y a des trucs à valider aussi. Alors, voyons un petit peu. Alors, je valide ça... 100 points d'influence, parfait. Continuer l'enquête et de l'or. Ok, et là, régler la succession de l'or. Parfait. Alors, le Dracolith vert chasseur. Notre chercheur a examiné toutes les informations existantes sur les espèces draconiques. On croit connaître un moyen de débusquer une créature qui pourrait servir de monture. Le Dracolith qui est une bête rare. Bon, ben parfait. Alors, 4h48, 5h ou 3h ou 4h. Bon, ben... À votre service. Allez, il y en a pour 4 heures. Fort bien. Régler la succession. Donc 3 heures, 2 heures. Bon, dis donc, on fait 2 heures et demie. Alors, va régler la succession. Et là, continuer l'enquête. 12 minutes, 9. Bon, ben là, 12 minutes. À la limite, il n'y a pas des trucs un peu plus longs que je pourrais lancer. Nouvelle recrue prometteuse. J'ai préféré des bandits 30 minutes, 48, ça on verra plus tard. J'ai négocié un accord entre le marquis et la douairière. Célébrer la mort du dragon. J'espère que vous avez envoyé des soldats récupérer la dépouille. Eh bien justement, envoyons des soldats récupérer la dépouille. Inquisiteur. Parfait, alors après, je sais pas où on va aller. Hein. Je sais pas où on va aller dans la... Plaine exaltée, emprise du lion, tombe d'émeraude, divisé la tourie dans l'ouest. Je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. On a fait pas mal de choses. Il y a eu du combat, il y a eu des quêtes, il y a eu pas mal de discours, de dialogues. On a bien avancé.
Et bah du coup on continuera peut-être avant samedi, parce que comme c'est les vacances, en tout cas pour moi, je vous ferai sûrement des lives dans la semaine, pas nécessairement des lives sur Dragon Age d'ailleurs, hein, n'est-ce pas Pifouf? Mais voilà, en tout cas il y en aura sûrement d'autres, je sais pas quand, mais dans la semaine. Voilà, bon bah j'espère que ça vous aura plu, hein. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous ne l'avez pas encore fait avant de partir, et merci d'avoir été là jusqu'à cette heure tardive. Et puis pour ceux qui sont sur la rediff, donnez votre avis en commentaire. Allez, sur ce, bonne soirée tout le monde!